de l'huile de palme, encore appelée or rouge, dans beaucoup de régions d'Afrique, en raison de sa forte valeur ajoutée. Cette huile de palme pourrait bientôt perdre de sa valeur. Des chercheurs anglais sont en train de trouver une alternative à l'huile de palme pour, disent-ils, pallier les problèmes environnementaux causés par son exploitation. Juste en changeant les conditions environnementales ou la souche, nous pouvons diriger l'huile vers différentes applications, ainsi que nous pouvons utiliser la levure pour produire un substitut d'huile de palme. Donc, elle a une composition biomécanique très semblable à l'huile de palme et par conséquent, elle a les mêmes caractéristiques physiques. Elle est aussi épaisse que l'huile de palme. Nous pouvons également diriger la levure vers l'huile du type de l'huile de colza, une utilisation potentielle pour les biocarburants. Les chercheurs produisent déjà chaque année en laboratoire 300 litres de ce substitut. L'objectif est de 300 000 litres par an. La finalité est de préserver l'environnement en limitant la pression sur la nature et par ricochet de sauvegarder ces singes, les orangs-outans, dont l'habitat est menacé. Mais l'étude demeure muette sur les conséquences socio-économiques d'une telle recherche sur l'Afrique.